mesures correctives, majoration des droits de douane. Pour protéger les industries nationales contre les pratiques déloyales et l'accroissement massif d'importations, et suite aux enquêtes menées sur les pâtes alimentaires, les détergents en poudre et les couvertures, une décision portant mesure de sauvegarde provisoire sous forme de majoration des droits de douane a été publiée le 31 décembre dernier. Ces décisions concernent des mesures de sauvegarde provisoire sous forme de majoration de droits de douane au taux de 30% pour les pâtes alimentaires, 39% pour les détergents en poudre et 41% pour les couvertures, selon l'annonce faite ce matin par Barthélémy, directeur général de l'Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales, ANMCC, entouré des représentants des industries victimes d'importations massives. Cette décision devrait s'appliquer dans un délai de 15 jours après sa publication, soit à compter du mardi 15 janvier prochain. Une audition publique est prévue se tenir au début du mois de février pour permettre aux parties intéressées de défendre leurs intérêts et présenter leur point de vue par rapport à l'application d'une mesure corrective commerciale.